He is back in a new adventure to catch, to fight, and to die. Tu es un souvenir, Sida. Arrête, le Sida de ses morts. Muteki! Muteki! Et c'est le GG, les balls, mon gars. Les balls, mon gars. Allez. Allez! Muteki! De toute façon, vous êtes jamais content. Quoi que je fasse, vous êtes jamais content. Ok, Decap, Season 4. Et salut, bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 4 de Poké Decap, saison 4, donc Gen 4, vous l'avez compris. Tac, on va remettre la musique. Paf. Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est important, dites-moi. On n'est jamais content et ça c'est vrai. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis dans le générique. Parce que c'est vrai. Vous n'êtes jamais content. Quoi que je fasse, vous n'êtes jamais content. Alors, on t'entend bien, nickel. Bonsoir Curie, bonsoir Wolf, bonsoir le Toast. Et attention, 3, 4, bonsoir Twinkle. J'aurais dû lui envoyer un Q avant pour dire « Ça va être à toi !» Je n'étais pas prête. Bah oui, c'est évident. Comment ça va? Eh ben, ça va et toi? Es-tu prêt pour de nouvelles aventures? Nouvelles aventures Pokémon? Bah oui, évidemment. Évidemment. Je vais couper la musique derrière et on va tout de suite passer sur le jeu. La voilà. La team est complète. Alors, petit bébé. Donc... on va refaire un petit peu un tour d'horizon. Alors, je vais rebrancher la manette par contre. Ce sera une bonne idée. Oui. Voilà, parce que c'est déconnectax. Alors, Pokéfion. Donc, on refait le tour. Donc, nous avons Jésus, j'ai fait un peu d'XP hein, hors stream. Nous avons Jésus niveau 30, Gojira niveau 27, Robosbière niveau 27, Lénali niveau 28. Gilgamesh qui a évolué en un magnifique match-hopper et Tiplouf toujours niveau 29. Voilà. Et donc on va bientôt... on va aller se régler avec champion d'arène. Si tu as envie. À moins qu'il y ait un truc à faire avant, mais... Vu qu'on est là, autant aller casser les culs, hein. Arrivé à la ville de Volaroc et normalement ouais il y a l'arène. Sinon il y a le casino. Est-ce que t'as envie d'aller au casino? Attends, le casino non casino c'est bon. Déjà en Dragon Quest ça me fait chier. Ou alors tu peux aller dans une maison si tu veux, une maison où ils échangent un porygon. C'est pas ils échangent. Ouais, oui, ils te donnent un porygon. Bah attends. On va faire ça en premier. Comme ça, on va commencer par un rename. Comme ça, on peut. Ouais, un rename. Là, il y a 5 personnes. Voilà, comme ça, ça met en jambe direct. Twinkle est un peu faible. Attends, je vais remonter son son. Ah bah, elle est au max. Est-ce que tu peux monter le niveau de ton micro chez toi? Est-ce que comme ça, c'est mieux? ASMR. Je vais pas mettre trop fort non plus, parce que nécessairement, c'est à Paxel de parler, c'est lui qui fait le show. Moi, je backseat en vocal. Hop. Tu te souviens c'est juste moi qui dois m'approcher. Maison ou pas? Ouais, non, il fallait juste que tu te rapproches un peu. En gros, t'as... C'est au nord du centre Pokémon, donc c'est juste au-dessus. Une des deux. C'est celle-là. Oh putain, Wolf. Me casse pas les couilles.
Alors, Porygon, donc on va commencer direct. Alors, giveaway. Voilà, premier rename. Est-ce qu'il y en a qui devraient laisser la place à d'autres genres de rename? Dernièrement, alors, nous avons eu... dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Manche, t'es mort par Wolf. Est-ce qu'on repart à zéro ou... Ah bah non, il y a déjà mis Wolf. Il y a déjà mis Poke. Bah le truc c'est que ça a rien de partir à zéro parce que des fois il y a des gens ils votent même pas, il y a une personne qui vote donc au final c'est premier arrivé, premier servi. Ouais. Allez-y les gens, faites Poke, comme ça Wolf il aura pas d'autre rename. Il sera tout le temps. Tiens, mais même Adrien ce qu'il faisait, bon alors lui c'est même différent, il y a pas de vote, c'est carrément il choisit, c'est lui qui choisit, mais je m'oppose à la Corse. Bien vu Curie. Voilà, donc vous pouvez taper dans le chat point exclamation Poké pour pouvoir rename le Pokémon. Enfin, pour pouvoir tenter de rename le Pokémon. Le Fantiminus, c'est une femelle, hein? Il me semble bien, oui. Je suis un peu en retard en termes de... Alors, attends, moi je vais aller chercher le... l'icône. Polygon. Street Callis de Polygon. Hop. À chaque fois que j'ai dans le dossier avec les gifs, le stream est en PLS, c'est dingue ça. Voilà. Hop. Voilà, donc. Alors, il vous reste encore. Tac, 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 tac. Il vous reste. Bah, c'est fini. Le raffle est terminé. Alors, on va pick le winner. Et c'est Curie qui va rename. Voilà, donc Curie, je t'en prie. Peut rename le Pokémon avec le talent que nous te connaissons tous. Scheiße. Non, non, ce n'est pas un nom valable. Alors. Isotoxal. Alors. Il va falloir expliquer comme d'habitude. Isotoxal. Et alors, mon petit Curie, qu'est-ce que ça veut dire? Salut Zéphir. Enfin un nom simple. Ouais bah oui. Isotoxal, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est pas un rapport avec les trucs isocèles ou une connerie du genre? C'est une figure géométrique. Ah oui, c'est... Waouh! Pavé Sama. Un polytope, un polygone, un polyèdre ou un pavage par exemple, est isotoxal si son groupe de symétrie agit transitivement sur ses côtés. Informellement, cela veut dire qu'il y a un seul type de côté dans cet objet. Pour deux côtés de l'objet, il y a une translation, une rotation et ou une réflexion qui transforme un côté ou en l'autre, tout en laissant la région occupée par l'objet inchangée. Le terme isotoxal est dérivé du grec... Alors, je sais plus comment ça se lit, mais du coup, je me perdrai pas. Ok. Qui veut dire arc, d'accord. Oui, pavé nos joues. Écoute, est-ce que tu valides ce rename, Curie? Oh mon dieu, merci Twinkle pour le sub. C'était l'instant savoir du soir. Ok, voilà. Donc c'est validé. Voilà, donc on a désormais un Porygon. Je vais aller revérifier les Pokémon. Si tu voulais savoir qui était femelle, qui était mâle, c'est ça? Twinkle? Ouais, que je... Ça évite que je me trompe, en fait, dans... Donc, si tu... Ouais, Manche tes morts est une femelle. Et Isotoxal n'a pas de... Merci. N'a pas de sexe. Ah oui, et Ridota aussi, c'est une femelle. Le petit Levenard.
Allez. Est-ce que ça a été mis à jour? Oui, sur le stream. Tout à fait. Hop. Direction l'arène. D'avoir une petite sauvegarde, parce que c'est toujours bien de sauvegarder. Même si sauvegarde prend 4 ans. Ah oui, il y a aussi un truc qu'il faudrait que je pense à le faire. Rajouter, tu sais, les trucs qui s'avaient, les petites vidéos qui s'affichent sur le stream et tout. Parce que sur Pokémon, elles y sont pas. Sur la scène Pokémon. Bah non, elles y sont sur la scène console quand je joue aux jeux normaux, mais j'ai pas pensé à mettre sur... Alors, donc on a... Ah, je me demande de quel type est la reine. De type poison. Ouais, bah oui, non, ça ressemble à du poison, ouais. Waouh, trop bien pensé. Salut. Nous sommes le Quatuor Karaté. Si je joue des points, c'est pour célébrer l'amour. Oui, l'amour. L'amour à coup de poing, mais bien sûr. Et Karateka Saburo. Ah, regarde ce Match Chopper musculeux, là. Cette posture qu'il a, Match Chopper, elle est incroyable. Bon, autant dire que si tout se passe bien, Jésus devrait rouler sur l'arène. Oui, donc ça a l'air d'être parti pour qu'il roule dessus, hein. Il évolue niveau combien, Jésus? Excellente question. Mais... Niveau 33. Niveau 34, tu étais presque. Ah, non, mais tu sais pourquoi j'ai dit 33? Non. Bah, 33 ans, Jésus. Mais putain, mais quand on va me faire l'interro surprise sur Jésus, moi j'y connais rien. T'as pas fait de catéchisme? Moi non plus. Hein. Absolument pas. Et je pense que c'est justement une bonne chose que j'en ai jamais fait. T'as quoi? Quoi? Des quais? Oui. Ah oui, non, d'accord, faut continuer par là, ok. En gros, ouais, les punching balls, c'est la mécanique du puzzle. Putain, c'est vrai que les arènes, elles ont des puzzles. Incroyable. Allez, lui, va me kéblo. Nous sommes le Quatuor Karaté. C'est pour célébrer le courage. Ah oui, d'accord, donc ils sont chacun... 3 Match Chopper comme les hommes du pilier. Aïe, aïe, aïe. Donc, lui, il a un Match Choc qui est plus haut niveau que le Match Chopper du mec avant. Par contre, ça, je comprendrai jamais comment ils font pour l'équilibrage, parce qu'il y a des trucs qui ont pas de sens. C'est que, des fois, t'as des Pokémon... Ils sont à un niveau inférieur de normalement le niveau auquel ils évoluent. Mais c'est quand même la version au-dessus. Ben, c'est depuis qu'ils ont suivi le grand prêtre Asoul, qui avait un Roucoups alors qu'il était censé. Un Roucou. Pas être. Ouais, non, un Roucoups. Non, Roucou. Roucoups. On dit Roucou. T'es pas à côté de moi pour me juger, donc. Continue à dire Roucou. Non, mais c'est pas te juger, Clara, c'est la vérité. On dit Roucou. Je dis Roucoups. Mais tu fais que tous ces ignares. Je le dis comme Sacha Dubourg-Palette. Ah, oh, mais Sacha Dubourg-Palette, c'est un gros naze. Il sait pas jouer au jeu. Il est encore pire que moi. Et pourtant, c'est difficile. Hein. Ah, Repose-Bière, niveau 28. Et Repose-Bière, il évolue quel niveau? Salut, Pixa. Je sais même pas pourquoi tu cherches, hein, tu devrais connaître par cœur. Hein. C'est le relou, genre, elle veut bien l'aider et tout, et lui, il trouve le moyen de râler. dire, ah, tu vas pas assez vite. Et lui, c'est célébrer l'espoir, ok.
Donc amour, courage, espoir, France 5. Donc lui il a un cradopo, donc déjà type poison. Là il y a moyen de se faire empoisonner le cul. C'est point poison qu'il a, c'est ça, cradopo normalement. Enfin le. Ah non, non, c'est. Ah, son coup de point tox là, je sais plus comment ça s'appelle. Alors que je cherche. Direct toxique, je crois que c'est ça. Grimoire. Grimoire. Oui, c'est vrai, il fait des caméas avec Pikachu. C'est vrai, ça c'est stylé par contre. Ça, j'ai vu ça, j'ai fait. Pour le coup, Sun et Moon, enfin l'anime Sun et Moon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a un truc qu'on peut reconnaître, c'est que c'est ultra bien animé. Hein. Alors c'est peut-être pas tous les épisodes comme ça, mais en tout cas, il y a des épisodes qui déboîtent. Puzzle de merde. J'adore les puzzles. Les puzzles, c'est ma grande passion. Oh, je vous ai vu cet après-midi partir en débat là sur Pokémon. J'ai fait putain. C'était quoi ce coup-ci dont vous parliez? Parce que j'ai pas suivi. Ah, merci Nymphéa pour le sub. Quel débat, il n'y avait pas de débat. C'est pour célébrer le combat. Ah. Ah, allô? Twinkle? Alors, je crois qu'il y a des petits soucis techniques chez Twinkle. Attends. Je vois que ton truc s'allume, mais je n'entends pas ce que tu dis. Allô, oui, c'est juste oui. Que non, j'ai quand même mon crash. D'accord, ok, donc tu t'entendais pas du tout ce que je disais. En fait, j'entendais personne. Le stream s'est arrêté et je t'entendais plus. Ah oui, hard crash. Bon, le Scarino, ouais. Ça va, ça a été... Donc oui, je disais, il évolue. Alors au départ, je t'ai demandé à quel niveau il évolue Repose-Bière. Et à un moment, je disais que vous étiez parti. Enfin, je disais un débat, mais c'était pas un débat, mais que vous aviez eu une conversation très riche cet après-midi à propos de Pokémon et de Sword and Shield. Ouais, en fait, on parlait de surtout l'attention considérée sur la première génération. Encore une fois, en rapport avec Sword and Shield. Et aux anciennes générations. Mais c'était intéressant. C'était cool. Après, c'est marrant parce que du coup, j'ai vu le truc, mais de base, ce que j'avais partagé, enfin, pour le coup, ils avaient mis toutes les générations dans le trailer, tu vois. Donc, mais après, oui, ça joue sur la nostalgie. Ah oui, ça joue à très fond. Enfin, la nostalgie, ça fait vendre. Hein. Ouais, bah clairement. Je vais pas leur en vouloir d'utiliser ça comme stratégie marketing. Mais bon. Là, on est passé tout à l'heure, je suis allé dehors au Micromania et je crois que je vais acheter le bundle avec la figurine et le steelbook. Avec les deux jeux ? Ouais, parce que c'est ma sœur, c'est une tradition. Elle prend la version opposée et à chaque fois, on est plus ou moins d'accord sur la version qu'on prend. Et elle prend Sword et moi, je prends Shield. Salut, Sombre Lame. Non, mais moi, je sais que je vais prendre la version Shield parce que bah voilà, je suis un paladin, donc forcément... C'est pas parce qu'il y avait le Ponyta extrêmement mignon dedans ? Ah non, 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 c'est avant même l'annonce de Ponyta. Moi, au début, quand ils ont dit Sword and Shield, j'ai fait OK, Shield. La question s'est même pas posée, tu vois. Salut, c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Meina, le champion de cette arène. On dit pas la championne ? La championne ? Non, bah si. La championne. Ah merde. Bah ils étaient 4, j'ai buté les 4. Je te dis, ils roulent sur l'arène, hein, Jésus. Je sais pas ce que c'est d'être forte ni comment je suis devenue championne d'arène. Mais je ferai de mon mieux pour faire honneur à mon rang. Je prends le combat très au sérieux, c'est quand tu veux. Bagarre!
Est-ce que du coup, alors, repose-bière, il évolue niveau 33. D'accord. Ce qui est niveau 28, là. J'ai pas voulu trop pex non plus pendant ma session de... Parce que je voulais garder un minimum de challenge, tu vois. Donc, j'ai dit, on dépasse pas aux alentours de niveau 28-30, tu vois, pour chacun. Comme la reine était niveau 30 et quelques, je me suis dit que c'était correct. Comment ça, j'ai la trouille? Il a fait bluff. Bah oui, mais à chaque fois, dès qu'ils peuvent infliger une altération, c'est systématique, quoi. Bah, ça, c'est normal, c'est attaque bluff. C'est une attaque qui attaque... Enfin, elle est prioritaire et elle te fait forcément, à coup sûr, le debuff de peur. Ah, la peur, c'est à coup sûr, je savais pas ça. Ouais, pour bluff, mais d'un autre côté, tu ne peux pas l'utiliser... ouais, faut faire gaffe. Tu ne peux pas utiliser bluff, sauf quand tu es un... Enculé ! Premier tour. Mais comme par hasard! Mais comme par hasard! Comme par hasard, quoi! Tu disais que Jésus allait rouler sur la championne. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse, je me fais comme par hasard un coup critique! Gojira, il a des faiblesses par rapport au combat? Non. Non. Et pas par rapport à la roche non plus. Ah, okay. Bah, il résiste à la roche, mais après. C'est un match-upper. Ouais, j'ai appris séisme à Gojira parce que j'en avais marre. Bah, Recurry, t'as raté la mort de Jésus. Oh putain, j'ai le mort! J'ai le mort! C'est qui a renommé Jésus? C'est Shiro. C'est Shiro. Dors bien, bel ange, retourne sur cette terre qui t'a vu naître et périr. Bon, c'est pas le tout, mais on a... Il peut ressusciter, Curie, il faut juste recapturer un autre Pokémon et on lui donne le même nom. Vampipoint, mais tu te fous de ma gueule? C'est pas une attaque... Nique ta mère! Oula. Pourquoi t'as fait tempête de sable? Bah parce que comme ça lui fait un peu de dégâts, mais putain, mais wesh! Il est type acier, Lucario. Il résiste... Oh, j'avais oublié ça! Putain, c'est de la merde. C'est pas type plante, hein, vampi mon cul, là. Non, c'est type combat, et c'est encore une attaque combat physique. 60 de puissance. Aucun 100% de... 100% de précision. Mais du coup, attends, la tempête de sable... En gros, ouais, est-ce que tu t'es juste donné un boost d'esquive à Gojira, mais bon, vu comment il tape fort... ça donne un boost d'esquive à Gojira, quand même. Ouais, mais bon, c'est pas... ça va pas te sauver, hein. Bon, en espérant qu'il soit con. Ou alors qu'il fait pas coup critique. Non mais c'est un scandale. Ah mais c'est Lucario, hein, c'est un des meilleurs Pokémon de cette génération. Putain, ça fait chier parce que Bidouf, il est type... Il est normal, quoi. Gilgamesh, il a aucune résistance. Repose-bière, alors là, j'en parle pas. Bah, repose-bière, il peut résister. Les attaques combat sont... Oui. Repose-bière. Mais il faut juste espérer que le Lucario n'ait pas une attaque de type... de type sol ou de type feu, mais bon... Bah après, il est résistant, repose-bière, c'est l'avantage. On va voir. S'il a point feu, c'est un scandale. Hein. Griffe acier, c'est bon. En plus, normalement, avec extra ascenseur, je mets sa misère. Est-ce que ce serait intéressant que je monte d'abord ma défense avant de taper ou pas? Est-ce qu'on écoute le chat? Peut-être que eux, ils ont des conseils aussi. Ah bah non, tout ce qu'ils veulent, c'est voir mourir. Non, il y a que Zephyr, je pense. Hypnose. Non, de toute façon, les altérations d'état, en vrai, ça marche jamais, vous le savez très bien. Je fais une altération d'état, ça touche pas, eux, ils m'en font une. Hypnose, onde folie, puis mur de fer. Ah ouais, toi, t'es carrément comme ça, Curie, toi, tu... On appelle ça du stall. Mais ça marche, hein, en vrai. Ça se tente, hein. Ça se tente. Bon, on va tenter le placo plâtre. Allez, je fais confiance à mon meilleur sbire. Mais... Non mais, à un moment,
si même mes Pokémon veulent saboter mon jeu, il y a un souci quelque part. Allez, me tue pas. Heureusement qu'il y a une justice. Et est-ce que du coup on sait c'est sa dernière attaque? Parce qu'il a Vampipoing, Griffacier et Forte Paume. Forte Paume. Bon. J'ai que ça comme soin. Ouf. Allez, tape-toi au moins, s'il te plaît. Pour le beau jeu. Ah, merci. Bon, ça va, il se fait mal en plus. Bon. Du coup, un petit mur de fer. Tape-toi. En plus, il est rapide, ce bâtard. Ah, mais en plus... Ouais, Vampipoing, bah oui, forcément. Comment ça, il a charge Oscurie? Que là, ça c'est de la merde hein, si la charge hausse. Bah ouais, parce que c'est type sol, c'est ça? Oui. Mon guide ne me dit pas le move pool de la championne. Ça me saoule. Bon, c'est bien. Au moins, avec mur de fer, je résiste un peu plus. Bon, extra ascenseur. Allez. Comment ça, il est plus confus? Bah oui. Évidemment, comme par hasard, il est plus confus. Au bout de deux attaques. Tout va bien. Bon, mur de fer, par contre, ça fait le taf. Hein. Oh, je lui fais que ça, t'es pas sérieux? Attends. Mais c'est un mur, mais c'est pas un attaquant, le petit. La petite. Ah, bah oui, mais j'ai pas trop le choix. Il a regardé. Ça va être un combat d'endurance. Hein. Ah non, mais il veut casser des fions, hein, clairement, ce Lucario-là, il est... Voilà, blesse-toi dans ta confusion. Hop, moi j'en profite pour refaire un mur de fer. Mais, attends, il s'est déconfusionné en un tour. Il est resté confus un tour. Encore, Zephyr, il y a que le matchhopper pour le moment qui a tué. On va voir si celui-là... Lucario, il est chaud, mais... Oh, bon. Mais en plus, je suis paralysé. Bah oui. Bah, évidemment. Évidemment. Ressens-tu le pouvoir de l'aura? Putain, tu vois, j'ai été trop confiant sur Jésus. Du coup, j'ai mis tous mes espoirs en lui. Non mais c'est ça, mais en même temps je parle, mais c'est pour l'entertainment, tu vois, j'essaie de vous emmener avec moi dans l'aventure, mais voilà, mais après il se passe des trucs comme ça, qu'est-ce que je fasse? Putain, merci mur de fer quand même. Merci Curie. Ah là 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 là. Quelle vie on mène tout de même. Oh, eh. Est-ce que par hasard, ça, vu que je l'ai endormi, ça se tenterait pas un petit switch karmash sur séisme? Ou c'est trop risqué? Ça peut se tenter, mais est-ce que ton karmash est prêt à encaisser... Enfin... Il a pas ses HP
Voilà, c'est ça. Je me disais aussi qu'il avait passé HP full. Donc en plus, comme par hasard, il vient de se réveiller. Tiens, vas-y, blesse-toi. Ah, je suis dans le pétrin, pas vrai? Elle va utiliser un objet de soin. Elle va tellement utiliser un objet de soin. Oh, c'est Aelita de Call Dioko, je vais m'en rendre compte. Calme ton fangirlisme. Putain, mais... N'est plus confus, bah oui, bien sûr. Mais arrête de rater tes attaques, sac à merde! Alors, Hypnos a très peu de précision comparé à des attaques normales. Non, mais c'est con, parce que en vrai... Non, pas Elita Battle Angel, rien à voir. C'est con, en vrai, j'aurais... Tu peux y aller si tu veux, là, vas-y. On tente. J'aurais fait séisme direct, au lieu de faire mon tempête de sable, là, comme un gros sac à merde. Ah si, merde. Après, ça n'aurait pas garanti le kill, je pense, parce qu'il y a quand même 5 niveaux de plus que toi, ce Lucario. Ouais, bah oui. Mais ouais, c'est... Ah là, ça tue. Oh là. Désolé, Jésus. Ah, il est mort plus tôt. Lucario qui m'aurait fait 0 kill, mais qui a foutu une sacrée pression. Ouais. Elle repose bien, quand même, hein. MVP sur ce coup-là. Hein. S'il avait pas été là... Non mais oui, voilà, gravité sur... Mais non, mais... Mon Archéomir qui a même pas lévitation, quoi. Nous reviendrons. Mais Zephyr, de toute façon, on aura une revanche avec ce Lucario, hein? Wink, wink. Très bien, tu as gagné. Quel combat, j'ai beaucoup appris. Accepte ce match d'arène. J'ai appris qu'on pouvait stoller. Elle a des fonces, hein. C'est un bon truc, hein. Mais je te tisse pas, c'est que... Lula, c'était le petit Lucario d'apéritif. Moi, j'attends le plat principal. Je parle pas du tout de Cynthia. Ah, tais-toi. Je veux pas en entendre parler. Ah, je peux utiliser vol hors combat. Mais j'ai pas vol. Ah, c'est dommage. On venait d'avoir un Pokémon qui permettait de faire voyager. Je te rappelle qu'il y a il y a les Nali. Hein. Cette petite merde va pas te faire voler. Hein. Bah si. Bah il est type vol, il devrait apprendre vol, non? Ouais, mais c'est Togetic, c'est pas du tout les spécialités de vos attaques physiques. Oh tiens. Hey Kari, écoute, j'ai besoin de toi. Des types de la Team Galaxy m'ont pris mon Pokédex et refusent de me le rendre. Aide-moi à le récupérer! Je t'attendrai devant le hangar, à tout de suite! Ok! Oh là là, Jésus quoi! Jésus, reviens! Jésus, reviens parmi les tiens! Oh, attends, tu lui avais donné quoi comme objet? Une belle cerise. Non mais. S'il te plaît, sur un vieux coup critique tout moisi quoi! Oui. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est toujours les coups critiques qui me mettent dans la merde. Voilà, on met quoi comme musique pour... Ah bah... Ave Maria. Bah non. J'ai une musique tout indiquée. Allez, c'est parti. Eh non, mets-moi la musique. Mais non, mais on s'en fout. Voilà. Quand il reviendra, il fera grand jour. J'espère que vous avez vu ce film incroyable qui est La vie est un long fleuve tranquille. Jésus revient parmi les tiens. Oh non, je suis partie trop tôt. Voilà, allez. Adieu, mon petit Jésus. Mort à 31 ans, 2 ans trop tôt. Jésus a été relâché. Bye bye, Jésus.
Bon, allez, on prend qui? C'est rigolo 2 minutes, mais... bonne question. Alors, qui va pouvoir remplacer le terrible Jésus? Je suis nul. Je le refais pas. J'en peux plus. Mais il évoluera jamais. Non mais regarde sa tête, il a l'air tellement heureux d'être avec toi. Mais... Je suis nul. Il est discret. Ah putain. Est-ce qu'on laisse le chat décider quelle va être notre nouvelle victime? Je veux dire, compagnon de route. Givrali, non mais il va pas tout de suite évoluer en Givrali en fait, les enfants. Il faut qu'on trouve la pierre d'abord, je sais même pas où elle est. Eh ben, je peux te dire qu'elle est pas encore là, donc Aurélie saura. Pas tout de suite. Ah bah, y'en a, ils veulent quand même évoluer alors. D'ailleurs, ça a été fini le vote. Hein. L'abeille. Zéphir. Oui, c'est Givrali qui a gagné, hein. C'était acté. Hein. J'ai pas publié les résultats, mais c'était complètement Givrali. Non, mais c'est pas demandé au chat. On peut prendre un autre piaf à la place. Fortnite. On peut prendre Fortnite. Hein. Elle est passée au chapitre 2, donc ça, c'est voilà, c'est pour fêter. Hein. Est-ce qu'il y a une sorte de thématique du fait que Fortnite remplace Jésus? Oh bah après t'en déduis ce que tu veux. Les jeux vidéo remplacent notre bonne loi chrétienne. Mange tes morts, ce serait pas mal aussi. Stream théologie. Score plan. Ah je sais pas. D'après, est-ce que tu comptes utiliser vol ou pas? Parce que là, si c'est pour honnêtement, vol ne l'apprend pas à l'Enali. Elle tape pas beaucoup au physique. Hein. Ouais, non, elle est au spécial. Mais... Donc, bon, tu pourras faire ça pour Fortnite, mais après, voilà, quel est le compagnon attends, on peut faire ça via, en fait, la prochaine arène. Vu que celle-ci t'a donné du fil dis-moi à retordre. Putain. Pardon. Non, mais j'ai pas voulu trop XP. Mais en vrai, c'est juste le critique qui m'a niqué. Hein. Disons que pour la prochaine arène, c'est une arène de type O, je crois. Ah, type O. On n'a pas de plantes. On n'a pas d'électrique non plus. Et quand je regarde... tu peux remontrer ta team actuelle? Parce que littéralement... Ouais, bon. Ils peuvent pas trop t'aider sur l'eau, quoi. Ah bah non. Non, non. Bah à part en y allant full face, quoi, mais... En fait, plus qu'un Pokémon qui a le type avantageux, il faudrait un Pokémon qui a pas de désavantage en tout cas. Bah là, dans la boîte, je n'en vois pas beaucoup qui ont un désavantage haut en fait. Donc. Sankoki, il est quoi comme type? Il est haut et il va devenir haut sol. C'est nul à chier, putain. Et Tritosaur, c'est quand même un bon Pokémon assez polyvalent. Tanky. Ah bon? Des bonnes attaques, mais ouais, mais après, voilà, c'est sans coquille. Veux-tu te trimballer une limace dans ton aventure? Zef, putain. Quel con. Ou alors, tu gardes les... Si t'as pas envie de garder un Pokémon actuel, là, que t'as pas envie de pexer, il y a toujours les routes suivantes où tu peux capturer peut-être un Pokémon déjà plus haut level que ce que t'as dans ta boîte. Mmh. Si vraiment là ça t'inspire pas la troupe que t'as dans la boîte. Bah tu sais quoi, on va prendre Zarbi pour la science. Voilà. Faut changer les sprites maintenant. Hein. Ouais ouais. Putain Jésus quoi. Mais Jésus mais reviens. Voilà. Je prends Zarbi, c'est pour toi, Zef. Il y a déjà eu des miracles dans tes Pokédicaps, c'est vrai, c'est vrai. Bon,
Maintenant, tu dois aller aider ton pote Luca et après tu iras dans le sud. Tu as vraiment pex le R. Hein. Mais oui. Moi, je crois en lui, hein. Enfin, je sais qu'il détermine. Il est capable de grandes choses. Hein. Son puissance cachée, il faut juste que tu détermines son type. Ça pourrait déjà nous être utile. Oh, imagine, c'est un type plante. R, imagine la puissance cachée type plante et là je suis refait. Alors, comment on fait pour déterminer ça? En gros, ben, le meilleur moyen, c'est que tu fasses des combats et que, selon les Pokémon, s'ils résistent à l'attaque et tout, ben, faut deviner, en gros. Et y a pas un PNJ qui te dit c'est quoi la capacité puissance cachée? S'il est accessible, soon, bien sûr. Alors, dans Platine, je sais pas, mais je sais que dans les dernières générations, ils font en sorte d'en mettre un. Donc là, je vais chercher. T'as cru que c'était la 7G ou quoi? Non, mais voilà! Déjà, il a lévitation, c'est bien. Maison à droite du casino. Ah! Merci, Curie! La suissance cachée. Jésus va résister dans les hautes herbes. Ah bah oui, on risque d'en croiser, ouais. Étonnamment, puissance cachée ne peut pas être de type normal ou fée. Même dans les dernières générations. C'est fou. Ah voilà, regarde, hop. Petite maison, là. Hop, attends. Maison à droite du casino. Ah bah, pas à droite, du coup, à gauche du casino, on voulait dire. En effet, la maison à droite du casino. Ah voilà, regarde le petit clown là. D'accord, ok. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais très bien, j'ai une boîte à jetons. C'est... Voilà, Rock, la maison à droite du casino. Bah mais c'est le truc de remise de prix. Bah, je pense que... Quand il disait à droite du casino, c'était... Oh, je peux faire le massage. Bah ça c'est pour compter l'amitié de ton Pokémon. Si t'as envie. Bah attends, on va masser un petit coup les Nali. Oh. Tu veux masser la fille de... C'était la fille de Densetsu, c'est ça? Non, je sais plus. Les Nali, c'est dans... Enfin, pour moi, c'est dans des Greyman, mais... Non, mais parce qu'il y avait pas un Pokémon qui était rename après le... Ah non. Non, c'était Rosemary. Mais ah c'était oui, Dean, ouais. Bah, ça doit être la remise des prix, mais ça doit être un gars dedans, en fait. Ah oui, voilà. Quelle est ma puissance cachée? Je suis capable d'identifier la puissance cachée des Pokémon. Oui. 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 Arrête de parler. Tu peux lui demander aussi pour tous les autres, comme ça, si jamais tu as envie. Glace! Ok, d'accord. Bon bah il y a la puissance cachée type glace. Type loup. De type psy, ok. Gigamèche. Type glace, ok, génial. Lénali. Type dragon. Waouh, stylé. Repose-bière. Type feu. Génial. Il y en a pas un seul qui va mettre. Et Gojira. Type acier. Allez, niquez-vous. Bon, alors, R va retourner dans la boîte. Non, mais voilà, au moins, c'est pas... L'eau est résistant à la glace? Oui. Oh, putain, c'est pas vrai. Sinon, Luca t'a demandé de te retrouver dans le hangar et c'est à gauche. Tu veux pas... Tu veux attends. Avoir des... Le hangar.
Tu montes et c'est juste à Salut Ikari, tu veux bien m'aider? Tu te souviens des types de la Team Galaxy? Ceux qui ont essayé de voler les travaux du professeur Sorbi à Félicité. Je suis tombé sur eux tout à l'heure et ils m'ont volé mon Pokédex. Faisons équipe pour les affronter. Non. D'abord... Voilà. R, il va one-shot le Karchakrok de Cynthia. Ah, double faiblesse à la glace, j'avoue. Hein. Ah, c'est vrai, Zef, hein, il peut faire ça, R. Faut pas l'oublier. Hein. Ah bah tiens, glace contre les Nosferati, ça va être bon, ça. Wesh. C'est comment, là? Allez, suce mon sbire. Ah bah super. Gravité, les notions. Ouais, génial, ça vole. Ça annule mon truc, ouais, génial. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Super, génial, hein. Il est tout cassé maintenant, c'est pas grave. Putain. Non, les types d'explosion, je rigole. Non, c'est toi. Le mélo fait kamikaze. La musique est là. Putain, mais il veut pas avoir des vrais Pokéfions, Luca aussi. Luca, il y est sur Masters ou pas encore? Qui ça, Luca? Mm-hmm. Dans Pokémon Masters. Ouais. Bah aucun des deux, même Aurore, elle y est proche. D'accord. Aux dernières nouvelles. Ce qui est dommage, mais je suppose que ça va être pour plus tard, tu sais, pour faire vivre le gacha game. Bah oui, il faut bien. Allez, hop, double Fable Psy. Mais déjà, ils ont mis Cynthia dans le jeu, qui n'est pas jouable. Ouais, non, mais Cynthia, après, c'est... Pokémon Master. Let's turn up the heat. Elle t'a bien fait curie, hein, honnêtement... Tu joues encore ou pas du coup? Moi, ouais, elle balance des crocs éclairs comme as. Moi honnêtement, j'aime bien le concept du sort, enfin le concept de récupérer les dresseurs en priorité, parce qu'après les Pokémon il y en a tellement que voilà. Mais le gameplay il est vite chiant. Sincèrement, je suis vite ennuyé dessus parce que c'est la même chose et ils ont vite instauré le mode farm pour être pour réussir le challenge. Ah bah de toute façon, hein, les gacha games, c'est rapidement du farm. Hein. Regarde Opera Omnia, regarde ouais, Fire Emblem, regarde tout ça. Hein. C'est le seuil de difficulté au début du jeu qui fait que t'as quand même besoin de farm. Ah oui, putain, il est type ténèbres, mon fouette, c'est vrai. Ouais, tu peux lui faire un nom de folie. Bah, ce que je viens de faire. Oh non, mais il le fait. Ah non, mais Mario Kart, ouais, non, de ce que j'ai vu, faut même pas y toucher à ça. Ah, j'ai préféré jouer à Mario Kart que Pokémon, honnêtement. Mais Mario Kart, j'ai juste arrêté parce que j'ai eu sacré log de merde. Ils sont pas assez généreux sur le jeu. Et que le système de toutes les deux semaines, les anciennes courses, elles disparaissent. Ça te donne cette impression que tu dois tout finir. Ouais, en gros, c'est des saisons. C'est en gros toutes les deux semaines, t'as des courses à finir. Ça, c'est Fortnite. Bah, un peu. Et du coup, ça te force à être constamment sur le jeu pour finir toutes les courses. Et non seulement faut finir toutes les courses,
Et après, il y a le système de classement global où t'as les gens qui ont les meilleurs scores sur les courses. Il faut que t'essayes de battre leur record. Ouais, non, mais de toute façon, beaucoup. Après, comme d'habitude, hein, ces trucs, c'est pour t'imposer de rester sur le jeu H24 et faire que ça de ta vie, quoi. Ouais, mais là, comparé à Pokémon Masters, où là, c'est juste pour toi, ton envie de compléter le jeu, que tu dépenses de l'argent dessus. Mario Kart, tu dois dépenser de l'argent, ne serait-ce que pour récupérer les récompenses, et ne serait-ce que pour jouer au jeu, en fait, en quelque sorte. Mmh. C'est ça qui est triste. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de facteurs qui font que tu ne pourras jamais être meilleur que les autres en multijoueur, parce que tu n'auras pas le meilleur kart, tu n'auras pas les meilleures améliorations, tu n'auras pas le meilleur conducteur. Et genre, il y a un truc, apparemment, si tu payes, genre, tu vas plus vite. J'ai fait « what ?» C'est pas plus vite, mais en gros, quand il y a une sorte de passe où tu payes par mois, et par mois, on te donne plein de récompenses. Genre des gemmes, des pièces... Des conducteurs directement au lieu d'essayer de les récupérer dans les bannières. C'est vraiment pay to win, j'ai l'impression celui-là. Mais après, en termes de concept, sincèrement, ça va. Le gameplay, c'est juste que j'admire le fait que ils ont retranscrit quand même assez bien du Mario Kart pour téléphone. C'est juste dommage que le jeu en soi, c'est tu dois être scotché dessus et c'est pas très casual friendly. Ouais, après, le truc que j'ai vu, c'est tu fais juste. Enfin, c'est vraiment gameplay à un bouton, quoi. Enfin, à un doigt. Ouais, mais ça fait passer le temps. J'aime bien. Honnêtement, ça va. Moi, je suis pas tout le temps sur mon téléphone, parce que je suis pas souvent en déplacement ou quoi. Donc, clairement, ce genre de truc, ça m'intéresse pas. Je préfère jouer à Mario Kart sur ma Switch, tu vois. Pas faux. Ça peut être bien pour les gens qui n'ont pas de Switch, mais n'en aiment pas à ce point. Plus aucune crainte à avoir, je suis là. J'ai entendu dire que les enfants se battaient contre la Team Galaxy. J'aurais dû me douter que c'était vous. Eh, c'est le cinglé de Félicité. Vous osez vous exprimer ainsi en ma présence? Quelle grossièreté! Oh, désolé. J'étais dégoûté que la Team Magma m'ait piqué mon Pokédex. J'ai parlé sans réfléchir. Je vous laisse et méfiez-vous de la Team Galaxy. Aucune importance. Ce qui m'inquiète par contre, c'est le comportement de la Team Galaxy. Tenter de dépouiller des enfants? Quelle bassesse! Décidément, ils font de bien piètre criminels. Mais la médiocrité de leur exaction ne les rend pas plus préoccupants. Il faut examiner le hangar! Suis-moi et allons-y jeter un coup d'œil! C'est fermé! Sans la clé, nous sommes obligés de laisser filer ces bandits! Cette capsule secrète, elle contient la capacité secrète vol. Ikari, je te la confie. Mieux vaut ne pas la laisser aux mains de la Team Galaxy. Il semblerait que nous ne soyons pas plus avancés. Tant pis. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai entendu un casino au casino. La Team Galaxy a transporté quelque chose jusqu'à Verchamp. Je ne sais pas ce qui mijote, mais ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, la CS2 vol. Génial. Mais en fait, c'est quoi l'objectif de la Team Galaxy? Enfin, c'est quoi la thématique de la Team Galaxy? C'est le... Tu la découvriras plus tard, ils auront le temps de t'expliquer. Oh. Là, pour le moment, on dirait classique. On veut capturer des Pokéfions. Ouais. Mais ce sera le gros méchant qui t'expliquera tout. Le nouvel ordre mondial. Bon. Alors, next. Direction le sud, où tu vas être sur une nouvelle route, et je vais direct checker si t'as pas des captures potentielles. Y'a plus rien à faire, là, ici. Bah, honnêtement, non. Le bâtiment au nord, il sert à quoi? Ce sera pour plus tard, parce que là, comparé à d'autres jeux où c'est vraiment ligne droite, là, t'auras besoin un moment d'un Pokémon de type vol pour revenir dans certaines villes, selon le scénario. Et là, le gros bâtiment que t'as vu, c'est littéralement le QG de la Team Galaxy. Donc tu y retourneras plus tard, parce que là, actuellement... Okay. Putain, ils peuvent pas juste me faire apprendre la magie téléportation, et puis voilà. T'as cru que c'était Dragon Quest ou quoi? Alors, les captures de Pokéfions... Ah, bientôt le fossile.
Ah mais non, je suis con, le fossile, on l'a déjà. Ouais, t'as créé Nino, je crois. Oui, oui, c'est vrai, on avait pris... C'est dans quelle ville, d'ailleurs, qu'on le transforme? Charbourg, la première arène. Est-ce que tu t'en souviens? Ah oui, ouais, faudra y revenir, du coup, à l'occasion. Non, je parle pour le transform... Ah bah, attends. Ah si, si, c'est là-bas, justement. Et pourquoi on l'a pas fait direct, alors? Bah, t'avais récupéré le fossile après. Mmh. Tu pouvais pas avoir, parce que c'est à partir de la deuxième arène... La ville, elle t'offre, tu sais, le Explorer Kit. Ouais. Et là, tu as pu récupérer un fossile. Et après, tu as continué l'aventure et t'es pas allé. Parce que tu l'as pas fait. C'est tout. Enfin, ouais. Je vérifie, mais. Regardez ce gros combat là. Normalement, tu n'as pas de. Linoclié, tu n'as pas de. Cranidos. La Team Galaxy, celle qui fait du rock dans l'univers avec leur robot chien. C'est une rêve que j'ai pas, je crois. Et du coup, Zarbi, il est vraiment nul de chez nul ou il apprend quand même des trucs? Qui? Zarbi. Non, il a que puissance cachée. Ah oui, donc il pue la merde. Il peut apprendre des CT au moins ou pas? Le concept d'un Zarbi, c'est que. Il a que ça. En plus, il a plus d'attaque que d'attaque spé, c'est quoi cette merde? Ah, attends, faut pas le taper au physique, c'est ça? Ouais. Merde, séisme, c'est physique ou pas? Ouais, mais surtout que tu peux pas le toucher. Il vole. Ah, ouais, ouais. Bon, bah, envoyez-le au pistolet à eau. En fait, les Zarbi, ils ont autant d'attaques que d'attaques spéciales pour les statistiques de base. C'est juste que sa nature fait en sorte qu'il a plus d'attaques que d'attaques spéciales, du coup, je suppose. Alors, maintenant, je vais calculer tes chances de capturer une prochaine Pokémon dans le... Là, t'es à coup 213 dans les soins. Ouais, et moi, j'en fais une fois sur 1000 des coups critiques. Ah non, t'es à coup 214, mais c'est sûr. Bon, ça va faire mec qui radote, mais j'ai quand même grave le seum pour pour Jésus, quoi. En croyant en lui. Bah oui. Ok, je t'annonce, t'as que deux Pokémon possibles dans la route, là, route 214. C'est où t'étais. Ok, d'accord. Après, si tu comptes le fait que t'as envie de surfer ou de pêcher, mais ça vaut pas le coup. Ah, mais Pokémon O, c'est bon, J'ai déjà le meilleur Pokémon O dans mon équipe, donc... Lequel? Bah... Tiplouf. Ah, mais oui, forcément. Bah oui, c'est mon starter, quand même. Faut respecter le un minimum. Dieu. Bon, ça fait déjà une heure. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Parce que après tous ces incroyables choses qui se sont passées... On va se reposer un petit peu, donc vous pouvez aller vous faire un petit café, un petit truc à bouffer, voilà. On se retrouve juste après la pub, et puis pour ceux qui nous regardent sur YouTube, faut que tu passes à la vidéo suivante. Voilà, bisous, ciao, bye bye.